Média. Ouvrons nos oreilles. On est là pour parler d'éducation aux médias, de pop média, d'inclusivité. Bonjour, je m'appelle Laurie Lebruster, je suis journaliste radio de formation et je suis responsable de l'éducation aux médias et à l'information pour Pop Média. L'éducation aux médias, c'est un ensemble de compétences transversales qui permettent à toute personne d'apprendre à maîtriser ce grand monde que sont les médias. Donc ça va de qu'est-ce qu'une information et qu'est-ce qu'un média à comment démêler les fake news des véritables informations. Alors le projet Pop Média s'inscrit dans une démarche d'éducation populaire parce qu'elle permet vraiment à n'importe quel groupe, à n'importe quelle population de s'emparer d'un outil, l'outil podcast. Nous, quand on arrive en atelier, on aborde les personnes avec une pédagogie qui est plutôt active et non descendante. Chacun va finir par trouver sa place dans un atelier d'éducation aux médias proposé par Pop Média. C'est le projet qu'on a mené au CHIP de Bouguenay, c'est un centre pédopsychiatrique avec des jeunes ados. On leur a permis de rencontrer des artistes locaux. Ils ont préparé leur interview, ils sont allés à leur rencontre. Ça leur a permis de se dépasser. On s'était mis d'accord ensemble sur les objectifs à atteindre. Parler à un inconnu, être capable de prendre la parole au public. Voilà, c'est ça l'éducation en médias aussi. C'est de proposer un outil pour développer aussi des compétences psychosociales. Pour décrire Pop Média, moi j'ai tout de suite envie de choisir les mots engagement et inclusivité. Pop Média, c'est un projet sincère et engagé qui va mener ses projets de A à Z en co-construction avec les structures qui nous appellent. Et inclusivité parce que on permet par nos ateliers d'éducation aux médias et par nos ateliers de podcast aussi à n'importe quelle personne avec expérience ou non de s'emparer d'un média. Contribuer à Pop Média, ça va nous permettre de vivre le plus longtemps possible et de pouvoir intervenir à Nantes et à l'extérieur et de constituer de continuer à créer des projets élaborés pour que chacun et chacune puisse continuer d'apprendre et à maîtriser cet outil complexe mais fascinant et passionnant qu'est le média.